coup, je m'appelle Maëlle. Bon, le texte que je vais faire, c'est pas le mien. C'est l'histoire de Laure. Et elle est écrite avec Colette, qui est là. Le geste maternel. Ce geste maternel pour accueillir l'enfant, c'est toi qui me l'as donné. Combien de fois me serrer fort contre toi, m'a-t-il remise au monde ? Quand de peur, à la moindre contrariété, entre abattement profond et rage obstinée, je ne pouvais plus avancer. Enfance incertaine, enfance à la peine, enfance fragile, enfance sur le fil. Voilà ce que j'étais. Par la présence de ton corps enveloppant le mien, par mon sourire répondant au tien, je sentais chaque fois mon cœur se réchauffer. Ta confiance doucement m'apaisait, ta tendresse refermait peu à peu mes plaies et mon chagrin. Ta force me donnait le courage d'exister. De l'avenir, tu m'as donné l'envie. J'ai pris goût à la vie, comme je dis, pour bien m'en sortir, comme tu dis, et construire mon projet personnalisé, comme l'éducatrice dit. Enfance enveloppée, enfance réconciliée, enfance respectée, enfance engagée, voilà ce que je suis et que je veux rester, pour dire ma vérité, l'impérieuse nécessité pour un enfant d'être aimé. Je dis merci, merci et encore merci. Des millions et des milliers de merci à toi, mère de cœur, et à toutes les mères de cœur qui passent leur vie à aimer et à élever les enfants des autres. Bravo.